Il n'y a pas donné à tout le monde une chance de réussir sans Dieu. Le destin nous est non, 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 acharné. Mais parce qu'il y a sur terre un temps, une rage en une de l'autre. Du site du ministère de l'Intérieur pour la pétition en vue d'une constitution de référendum d'initiative partagée avant la décision de la privatisation des aéroports de Paris. Les témoignages de non-enregistrement de soutien pleuvent. Un dépit d'enregistrement, un récépissé de signature et une irrégularité du comptage des soutiens est d'autant plus soupçonné que le calcul est simple. Il y a une moyenne de 108 000 signatures par mois depuis le début de la pétition. Alors si l'on en croit les chiffres officiels, il y aurait seulement 28 000 signatures enregistrées entre le 8 janvier et le 5 février. Cela semble impossible et nous permettons donc de compter sur vous pour alerter le Conseil constitutionnel, en vous rapprochant bien sûr d'autres parlementaires si besoin. La pétition se termine le 12 mars, cette demande est urgente et nous vous remercions. Sincère salutation de collectif Sud07 ADP. La seule réponse de M. Macron et son gouvernement apporte aux revendications du peuple, c'est la répression policière. En effet, depuis de nombreux mois, lors des manifestations, des centaines de gilets jaunes ont été grièvement blessés par les forces de police. Des milliers de citoyens ont été placés en garde à vue dans des lycéens, pour la plupart mineurs. Plus généralement, c'est souvent la matraque qui sert de réponse aux revendications de la jeunesse, des salariés, de toutes celles et ceux qui luttent pour un monde meilleur. Localement, toutes les manifestations syndicales pour exiger le retrait du projet de réforme de retraite à pointe se déroulent très pacifiquement.
le 31 janvier, lors d'un rassemblement à l'Alvade, la gendarmerie a procédé à des dizaines de contrôles d'identité de citoyens et de syndicalistes présents. Dernièrement, la gendarmerie de Tueil a convoqué les contrôlés. Le but de cette manœuvre est de dissuader les citoyens de participer aux rassemblements et manifestations. Les organisations sous-signées exigent l'arrêt immédiat de toute poursuite à l'encontre des citoyens et militants. Il en va de la liberté dans notre pays, liberté de manifester, liberté de circuler, liberté de conscience et d'expression. Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour nous opposer démocratiquement à cette dérive autoritaire. Et ce texte est signé aujourd'hui par plus de 25 organisations syndicales, philosophiques, associatives et politiques dans le département, rejoint aussi par le département voisin. Voilà une des batailles que l'on mène aujourd'hui et qui sera le 27 l'objet d'un point important dans les manifestations pour exiger le retrait de la réforme. Merci. La cinquième.